Salut les poussins et bienvenue sur ma chaîne. Putain, il y a de la poussière par terre. Bon, salut les petits poussins et bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je m'appelle Swan, je suis graphiste et illustratrice en freelance et aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui parle un peu plus de mon mood, etc. que d'illustration. Mais je voulais vous faire une vidéo parce que par rapport à la vidéo du vlog à Disneyland avec Manon, en fait, même avant, j'avais préparé une vidéo et je me suis dit ça colle parfaitement. C'était une vidéo que je voulais vous faire tout simplement sur les choses qui me rendent joie, bonheur, délectation. En fait, tout simplement les petites choses qui moi personnellement me font me sentir vraiment extrêmement heureuse en fait. Et comme ça aussi, si vous voulez partager en commentaire quelles sont les petites choses du quotidien ou pas du quotidien qui vous personnellement vous font quelque chose quoi. Donc c'est parti pour cette vidéo des choses qui me rendent joie. La première chose, c'est une des premières choses qui m'est venue en tête, peut-être parce que j'avais regardé un film ou quoi, mais c'est toutes les histoires, donc films, livres, voilà, tout ce qui peut être raconté, où il y a toute l'humanité, on va dire, qui s'unit contre une menace, des extraterrestres parfois, ou j'en sais rien, peu importe. Et à chaque fois que je lis des livres sur ça, que je regarde des films, ça me fait une émotion intense parce que c'est malheureusement pas trop actuel. Enfin, l'être humain a tendance à être très proche, etc. quand ils ont un intérêt en commun, on va dire. Et voilà, dans ces films ou ces livres, je trouve que c'est vraiment très touchant et ça m'émeut beaucoup et en même temps ça me rend très... ça me fait une émotion de joie parce que j'aime voir l'humanité qui s'unit, qui oublie ses guerres, ses différends, etc. et qui juste s'entraide contre une menace et souvent qui gagne d'ailleurs. Donc, on aime bien les happy endings et tout. Donc tout ce qui est Marvel ou des films, des livres ou quoi, j'adore. Bon, je vous mettrai peut-être si j'ai des idées un peu qui pop là partout de livres ou de films. Mais voilà, ça me touche beaucoup, ça me prend trip, je suis à fond dans le film et tout. Mais voilà, ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu quelques fois et à chaque fois que je reçois ça, je suis trop contente, c'est vos messages tout simplement. Quand je reçois des messages d'abonnés ou de personnes qui découvrent ma chaîne ou mon Instagram et qui me disent « Ah, c'est trop cool, grâce à toi je me suis remis au dessin » ou « Ta vidéo, truc, ça m'a trop inspiré » ou je sais pas quoi. En fait, c'est des trucs... à chaque fois que je reçois des messages comme ça, ça m'émeut beaucoup aussi parce que ça fait un peu partie de l'objectif que je me suis fixé en m'exposant un peu aussi sur internet et tout et en partageant mon travail. Et je suis trop contente de savoir qu'il y a des gens que ça inspire, que ça motive, que ça donne des idées créatives et tout, donc je suis trop contente et je suis juste heureuse, même si c'est qu'une personne, de savoir que ça a pu motiver ou inspirer quelqu'un, ça me fait du chaud au cœur, on va dire, et je suis trop contente. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, mais voilà, j'aime bien partager ça aussi. Alors ensuite, un truc qui n'a rien à voir, enfin qui est beaucoup moins profond et tout, juste boire un bubble tea, parce que qui n'aime pas les bubble tea. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit... Je glisse ici la photo avec mes pailles, parce que j'ai acheté des pailles, je vous enverrai à la vidéo mes gestes écolo, mes petites pailles lavables, voilà, pour boire des bubble tea sans trop culpabiliser, bon, même si ça génère quand même du plastique, mais bon, voilà. Par rapport à tout ça, avec ma pote Manon, alias DateQuartFoster sur Instagram, on a fait une collection de pins, donc je vous invite chaudement à regarder, puisque le Kickstarter dure que 20 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et en fait, l'objectif c'est de reverser 1€ à une association qui s'appelle Sea Shepherd. Donc chaque pin vendu égale 1€ pour l'association. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le Kickstarter. Et si vous voulez avoir votre petit pins, franchement ils sont tous trop beaux. Et avec Manon, on a fait donc deux chacune et on est super contentes. Ils vont bien ensemble, ils sont super jolis et tout. Et Manon en fait souvent des pins et donc je sais que la qualité est bonne, j'en ai plein à elle. Donc bref. Voilà, je vous recommande tout simplement, n'hésitez pas à regarder. Bref, je coupe la parenthèse, boire du bubble tea, voilà, parce que j'adore cette boisson tout simplement. Donc s'il y a des moments où vous êtes un peu en bad mood, et n'hésitez pas à tout simplement boire votre boisson préférée. Voilà. Ensuite, aller à Disneyland. Voilà. J'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui vont pas à Disneyland régulièrement ou même qui ne sont jamais allés. Moi j'ai quand même cette chance d'y être allée plusieurs fois et souvent quand j'ai ma pote Manon qui vient, on essaye de s'organiser ça parce que Disney c'est un peu notre...
notre endroit préféré, je pense, enfin, un de nos endroits préférés. Et là, la dernière fois que j'y suis allée, bah, vous verrez le vlog, c'était magique, c'était incroyable. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai pareil cette émotion parce que j'ai grandi avec l'univers Disney, ça fait partie de mon identité. C'est Disney, quoi. C'est mon enfance, en fait. C'est mes valeurs aussi. Il y a des valeurs de base que j'ai eues grâce à Disney. Les musiques, les dessins, l'univers. Je pense que ça a aussi participé au fait que je voulais faire du dessin. Hein. Enfin, bref. Et d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour vous faire un petit unboxing. Parce que je suis allée tout à l'heure à la poste chercher ceci, qui est mon souvenir de cette journée incroyable à Disney avec Manon. Évidemment, je n'ai pas prévu de tuteur. Mais on n'a pas besoin. Franchement, je suis trop contente de l'ouvrir parce que en fait, je l'avais déjà repéré la dernière fois qu'on était allé en avril avec Manon. Et là, je me suis dit, c'est bon, je l'achète. J'en avais trop envie. Ça va, c'est bien emballé et tout. C'est livré chez toi. Oh, franchement. Magnifique. Je vais l'afficher soit sur ma porte, soit au-dessus du lit. Mais je pense que ça va être sur la porte. Ceci est pas très visible. Parce que ça n'arrête pas de rouler. Mais ceci est une magnifique affiche du château Disney avec la Belle au bois dormant. Bref, les couleurs sont magnifiques, tout est magnifique. Et j'ai vraiment craqué sur cette affiche. Je me la suis offerte comme cadeau de moi-même. Ça aussi, ça fait très plaisir. Faites-le si vous êtes en bad mood. Mais je vous ferai une vidéo sur comment j'ai géré mon premier bad mood et tout. Mais par rapport à l'activité en freelance et tout, mais voilà, je suis trop contente, c'était l'objectif, m'acheter cette affiche. Donc je vais la mettre à un endroit où je ne peux pas la salir ou l'abîmer. Mais voilà, donc Disneyland, même regarder un film Disney, tout ce qui est autour de Disney, ça me rend toujours joie bonheur, surtout les playlists, enfin les... pas les playlists, les... Ah, je sais plus. Quand on doit deviner les chansons, les blind tests. Ok, on y arrive. Les blind tests aussi, Disney, j'adore. Et bref, voilà. Ensuite, un autre truc, alors qui n'est pas très écolo, mais que je fais très rarement, c'est prendre un bain et tout simplement prévoir une émission télé, un film. Franchement, je m'en fiche, j'assume ici, je regarde très bien aussi des émissions télé qu'il y a plein de gens qui n'assument pas, mais moi, par exemple, j'adore L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier, toutes les émissions comme ça, mais enfin c'est pareil, ça me rend trop joie de regarder ça. Enfin, alors l'émission que j'adore le plus, c'est Ça commence aujourd'hui avec Faustine, c'est trop bien. C'est que des gens qui viennent témoigner, c'est des témoignages, des gens qui racontent des anecdotes ou des histoires ou des choses difficiles qu'ils ont vécues dans leur vie, et j'adore. Et donc petit bain dans ma petite baignoire toute petite parce qu'on n'avait pas la place de mettre plus grand, mais voilà, un petit bain de temps en temps ou l'hiver, franchement ça détend de ouf, j'adore. Ensuite, ah ça c'est un petit truc aussi de l'enfance, c'est manger la pâte à gâteau. C'est très rare que j'en fasse, mais pourtant j'adore en faire, c'est juste que j'ai pas trop le temps. Mais alors, manger la pâte à gâteau, vous savez quand vous avez versé dans le moule et qu'il vous reste dans votre bol bah, le surplus quoi. Tu viens manger la pâte à gâteau, ou la pâte à crêpes, enfin toutes les pâtes en fait, c'est juste trop bon. Voilà, c'est un petit truc de l'enfance, voilà, c'est le petit péché mignon. Enfin non, c'est pas ça mon péché mignon, j'en ai plein, mais bref, voilà, petite anecdote. Ensuite nous avons tout simplement regardé des films, des trilogies, des sagas de mon enfance, genre série, il y a Friends, c'est la série de ma vie. Depuis, environ depuis que mon ex m'avait quitté, je regardais, je regarde en fait quasiment une fois par an l'intégrale de la série Friends, parce que j'adore tout simplement, en fait, je revis à chaque fois ce groupe d'amis qui gère des choses du quotidien. Il y a toujours des quiproquos, des histoires, les couples, les uns qui se mettent avec les autres ou pas, les histoires et tout, enfin... Et à chaque fois je vis avec eux et je me dis c'est magnifique cette série, parce que certes elle a un peu vieilli, il y a des trucs, bon voilà c'est limite quoi, mais on revit à chaque fois une époque, on se replonge dans les années voilà 80, 90, enfin bref, vraiment j'adore cette série. Il y a la saga Harry Potter, tout simplement parce que c'est mon enfance. J'ai eu tous les DVD et quand j'étais petite et qu'on allait à ma maison de campagne, je les regardais en boucle, je connaissais les répliques par cœur. Bon là j'ai un peu oublié, ils sont sur Netflix. Voilà, c'est pareil quand je suis un peu, je sais pas trop quoi regarder et tout, Harry Potter, la base. En plus, on peut facilement se mettre en fond, puisque si on connaît l'histoire, voilà, c'est juste ça nous met un truc en fond, et on est dans la magie et tout. Là, l'objectif, la prochaine fois qu'on va à Londres avec Nel, puisque j'ai raté la dernière fois, c'est d'aller au studio Warner Bros. Pour aller voir les décors Harry Potter et tout, m'acheter une baguette et tout, bref. Voilà, et je me suis noté Disney, mais bon, comme d'habitude, Disney, c'est Disney, tout simplement, voilà. Ensuite, dernière petite anecdote,
Quelque chose qui me rend absolument joie et bonheur, c'est de voyager. Là, j'ai pas trop le temps et avec Naël, faut qu'on regarde si on pourra voyager. Mais tout simplement, voyager, quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup avec mon papa et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Et ça fait partie de mes objectifs, voilà, de gagner ma vie pour pouvoir tout simplement voyager et découvrir plein de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, des nouveaux paysages et tout. Et un truc que j'adore personnellement aussi, c'est la plage. Moi, je suis plus plage que montagne, mais alors, la plage. Juste dormir avec la chaleur et aller se baigner dans l'eau froide ou tiède ou ce que tu veux, ça me manque un peu. Là, je vous avoue que cet été à Paris, avec la canicule, j'aurais beaucoup aimé aller à la plage. Mais bref, voilà, cette petite vidéo juste pour vous partager de la joie, pour vous parler de cette journée merveilleuse à Disney. Et voilà, une phrase aussi que dit beaucoup Lena Situation, pour ceux qui la connaissent, et si vous la connaissez pas, bah, allez regarder son compte, sa chaîne YouTube, c'est juste du bonheur à regarder aussi. C'est, elle dit tout le temps plus égale plus, c'est souvent sa phrase, voilà, c'est là, tout simplement c'est sa phrase. Et pour elle, plus égale plus, parce que si tu fais, enfin si tu as un état d'esprit positif ou tu fais des choses positives, le positif attire le positif. Donc si tu fais, si t'es de bonne humeur tout le temps, si tu es joie, bonheur, et ben tu vas avoir l'univers va t'envoyer des choses positives. Et quand j'ai vécu cette journée avec Manon à Disneyland, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Enfin, à chaque fois, on avait plein de petites choses, plein de petits bonheurs dans la journée, parce que je pense qu'on y allait en étant heureuse, parce qu'on aime aller à Disney, même si on y allait plusieurs fois. Et pourtant, les gens nous ont demandé, est-ce que ça fait plusieurs fois que vous y allez? En fait, non, on y va, quoi, de temps en temps. Enfin, on est déjà allé plusieurs fois dans notre vie, quoi. Et en fait, on y va toujours, je pense, avec le même émerveillement. Et avec Manon, on est toujours heureuse d'y aller. On est contente, tout pour nous et bonheur, quoi. Donc les gens, je pense, l'ont perçu et du coup ils ont été gentils avec nous, on a eu que des belles choses, enfin bref, c'était vraiment une journée incroyable. Donc maintenant j'arrive à comprendre ce que dit Lena, parce que je comprenais pas trop. À chaque fois j'étais là, ouais, bah positif attire le positif, moi j'essayais d'être positif, mais je voyais que, enfin souvent on voit le négatif et puis on savoure pas les petites victoires du quotidien. Et là maintenant j'ai un état d'esprit où je me dis, ok, bah vraiment ça marche, c'est pas une technique, tu vois, mais c'est quelque chose qui existe et qu'il faut prendre en compte et qu'il faut absorber, se dire, voilà, si j'essaye d'être au maximum de ma positivité, de ma confiance en moi, etc., je vais réussir à atteindre mes objectifs et à tout simplement être pleinement contente dans ma vie. Donc voilà, après moi là j'ai eu une fuite, certes j'en avais marre, j'étais en mode mais pourquoi, mais au final j'en rigole parce que je me dis, bon bah ça va, c'est qu'une fuite, quoi, enfin faut relativiser aussi, quoi, mais bon bref. Voilà, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire toi qui regardes, qu'est-ce qui te rend joie, qu'est-ce qui te rend bonheur, enfin, qu'est-ce que sont les petites choses qui peuvent te faire te sentir incroyablement bien. Dis-moi ça en commentaire, et puis n'hésite pas à regarder mes réseaux sociaux, à me soutenir sur Tipeee. Là, Tipeee, c'est un peu la dèche en ce moment, mais j'avoue, j'arrive pas trop à me mettre à fond dessus. Mais voilà, Instagram, mon site web, Facebook, tout ce que tu veux, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, puisque je partage plein de trucs et tout, donc c'est cool si tu veux faire partie de la team Poussin. Et voilà, tout simplement... merci de me regarder, d'avoir vu cette vidéo, de la partager si tu as partagé, de liker si tu as liké, tout ça. Et sur ce, comme d'habitude, je te fais des gros bisous et je te dis, bah, dimanche prochain ou la semaine prochaine. Bisous, salut les poussins.